bienvenue à cette toute première émission, Le Plein de Santé. Je m'appelle Jessica Elhazy et je serai votre animatrice pour ce voyage enrichissant dans le monde de l'alimentation. Votre santé vous tient à cœur? Je serai votre guide pour garder la santé à son plein en vous aidant à découvrir les nouvelles tendances, à déboulonner les mythes et à adopter des recettes au goût du jour. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la restauration rapide. Entre autres, je vous montrerai le grand classique de la semaine, malbouffe à l'américaine. Ensuite, nous irons visiter la nutritionniste, Mme Rana Daoud, qui nous parlera des effets néfastes de la malbouffe sur la santé. Et enfin, pour finir le tout en santé, je vous ai trouvé un livre très intéressant sur la santé et un excellent film français qui nous parle un peu de la cuisine. Commençons d'abord notre journée avec un peu d'histoire. Accompagné d'une bonne frite bien dorée dans le fast-food du coin. Aujourd'hui, à peu près personne n'échappe au phénomène de la restauration rapide, une pièce maîtresse dans le marché de l'alimentation nord-américain. Mais quand et comment tout cela s'est-il mis en place? La restauration rapide apparaît en Amérique du Nord au début du 20e siècle. La chaîne en restauration rapide est un restaurant qui offre des plats dans un laps de temps plutôt court, pour faire gagner du temps à ses clients. Les plats sont généralement des hamburgers, des sandwichs, de la pizza ou encore des frites. Le premier restaurant à miser sur la rapidité est le White Castle, créé en 1921 aux États-Unis par Billy Ingram et Walter Anderson. Bien que ce soit le premier restaurant à faire des hamburgers et des frites, plusieurs autres bannières ont rapidement imité l'idée et pris l'avantage du marché. Parmi les restaurants qui se sont démarqués, un des plus reconnus est le McDonald's, créé en 1954 et maintenant ouvert dans une centaine de pays avec environ 31 000 restaurants autour du globe. Les restaurants de fast-food n'étaient au tout début que de simples restaurants sans table où les clients commandaient, prenaient leur repas et repartaient. Alors que maintenant, presque tous les restaurants ont le nécessaire pour que les clients mangent en magasin. L'expérience en salle à manger est devenue tellement importante que McDonald's a su attirer et accommoder les jeunes consommateurs. Les fameux parcs intérieurs voient le jour. Ceux-ci ont été inventés en 1987 aux États-Unis à la suite de l'émission de télévision avec le clown Ronald McDonald. Les chaînes à restauration rapide ont eu beaucoup de succès vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est vers la fin de cette guerre que les gens ont enfin pu relaxer et se permettre de dépenser plus qu'avant. L'Amérique devient alors une société de consommation. Savourer un hot dog et une frite en famille, activité impossible avant la guerre, devient une activité nouvelle, attrayante, et abordable. C'est d'ailleurs à partir de cette époque faste que de plus en plus de restaurants voient le jour. Par exemple, vers la seconde moitié du 20e siècle, Burger King, Taco Bell et Wendy's ont maintenant pignon sur rue. La diversité des plats se remarque lorsque les magasins commencent à servir autre chose que des burgers, comme le Dairy Queen, le grand magasin de glace qui ouvre ses portes en 1940, ou encore le PFK et son poulet qui se développent. Dans les années 80, ce sont les cafés et les beignes qui sont maintenant offerts selon les standards de la restauration rapide, dans des bannières comme Dunkin' Donuts et Tim Hortons. En revanche, depuis une vingtaine d'années, les fast-foods ont la vie plus difficile. Les repas ont grandement changé avec l'augmentation de l'obésité et le souci grandissant d'une bonne alimentation. Les restaurants tels que McDonald's, Burger King et plusieurs autres ont d'ailleurs dû modifier leur menu pour les rendre plus santé.
des salades, des sandwichs, des gruaux et plusieurs autres nouveaux produits se sont ajoutés au menu pour satisfaire les demandes d'une clientèle toujours plus exigeante. L'obésité évolue sans cesse et les chaînes à restauration rapide sont de plus en plus nombreuses. Elles sont partout autour de nous et même dans les écoles, ce qui explique un taux d'obésité accru chez nos jeunes. Bref, on peut remarquer que les chaînes de restauration rapide ont grandement évolué depuis leur début, puisqu'elles doivent répondre aux pressions exercées par les mouvances sociales. Mais celles-ci sauront-elles, dans un avenir proche, relever le défi de proposer des menus plus santé? Le réalisateur, producteur et acteur Morgan Spurlock montre dans son documentaire Super Size Me que la multinationale McDonald's ne répond malheureusement pas tout à fait aux attentes concernant une bonne alimentation. C'est à voir dans quelques instants dans le classique de la semaine. De 34 ans, ne consomme que les repas d'une célèbre chaîne de restauration rapide, McDonald's. Déjeuner, dîner, souper, boissons ainsi que les collations sont choisis à même le menu du restaurant. L'obésité accrue dans son pays, les États-Unis, est sa plus grande motivation. Son but est de faire réfléchir les gens à ce qu'ils consomment. Il débute donc son expérience avec détermination et avec un poids santé de 185,5 mg. En plus de s'imposer un maximum de 5000 pas par jour pour suivre l'habitude de marche d'un Américain, il s'impose cependant 4 autres règles. J'ai établi des règles au départ. Je prendrai le super size si on me le propose. Je ne peux manger que ce qui est servi ici, même l'eau. Ce que McDo ne vend pas, je ne le mangerai pas. Je devrais goûter à tout au moins une fois. Et je mangerai 3 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Pas d'excuses. Certes, cette expérience n'est pas à refaire chez soi. Il est bien de préciser que Morgan Spurlock était suivi par 3 médecins et une nutritionniste, qui lui suggéraient tous fortement de cesser son documentaire car sa santé était grandement en péril. Bien que le film ait été visionné dans une trentaine de pays et ait rapporté plus de 29 millions de dollars au box-office, les critiques sont nombreuses. Certains sont d'accord, d'autres en désaccord. Pour le film Super Size Me, les spectateurs se sont révoltés face au documentaire. Certains le qualifient d'inutile, d'irréaliste et qu'un adulte responsable n'agirait pas ainsi. D'autres se lèvent pour applaudir le film et affirment qu'il est excellent et qu'il influencera positivement votre mode de vie. Il y a aussi ceux qui ont une opinion plutôt neutre face au film et proclament que le film prouve simplement ce qu'on connaît déjà, que le fast-food est mauvais pour la santé. Plusieurs spectateurs ont senti de l'arnaque face au documentaire
et les commentaires négatifs ont fusé d'un peu partout. Le comédien Tom Naughton en a d'ailleurs fait une parodie et rejette l'idée que Morgan consommait réellement 5000 calories par jour. Le comédien questionne l'honnêteté de Spurlock et se demande pourquoi celui-ci démontre, vers la fin, une si grande facilité à cesser de consommation, alors qu'il affirmait que la restauration rapide créait une dépendance. Sugar, sugar, makes me want to be with you. When I see you, my dreams come true. Sur ce, maintenant que vous en connaissez davantage sur la controverse entourant la restauration rapide, on se voit chez la nutritionniste dans quelques instants pour plus d'informations. Voici maintenant chez la nutritionniste Madame Rana Daoud qui va nous parler un peu plus de la malnutrition. Allez, venez! D'avoir un surpoids, fait qu'on risque d'avoir un poids excessif. Souvent aussi, le poids va se concentrer autour de l'abdomen. Donc ça, on appelle ça le poids viscéral. Donc c'est du poids qui est moins recommandé. Dans le fond, c'est parce que ça peut augmenter le risque de maladies chroniques comme le cholestérol, le diabète, triglycérides, hypertension. Souvent, ces maladies vont venir en... Oui, fait que les statistiques le montrent. Présentement, en fait, je pense en 2009, 2010, quelque chose comme ça, il y avait 52% des Canadiens qui étaient en surpoids et en obésité. Donc, dans le fond, c'est des statistiques, c'est la moitié de la population canadienne à peu près qui a du surpoids. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si les parents font de l'embonpoint ou de l'obésité, souvent les enfants vont suivre un peu cette tendance. Fait que de plus en plus qu'on a des adultes qui sont en embonpoint et en obésité, de un, c'est un peu génétique, mais c'est pas toute la réponse. De deux, c'est que les enfants sont en train de manger ce qu'on leur offre. L'obésité, c'est un problème multifactoriel. Il n'y a pas une seule raison pourquoi la population est en train de devenir de plus en plus, de peser de plus en plus lourd. Ça peut être le manque de connaissances culinaires. Donc, on ne sait pas cuisiner, on a tendance à manger dehors. Le manque d'organisation, le manque de temps également. Vu qu'on est beaucoup plus occupé, on finit par aller vers les façons les plus faciles, qui est d'arrêter à un fast-food puis de manger souvent comme quelque chose de rapide. Notre assiette, par exemple, on devrait avoir la moitié en légumes, un quart en viande et substituts, un quart en féculents. Ce qui se passe dans la population un peu nord-américaine, c'est que on finit avec même pas un quart en légumes, puis le restant c'est de la viande et des féculents. Ça dépend du type de diète. C'est sûr que pour autant que l'industrie alimentaire fait des billions de dollars à vendre des aliments, des fois c'est sain, des fois c'est malsain, mais il y a toute une industrie opposée qui fait autant d'argent. C'est des billions de dollars qui se font par année à vendre des diètes, des produits d'amincissement. Ça, quand on regarde ce genre de statistiques, c'est étonnant. Puis on se dit aussi, tant que, vu que les gens sont de plus en plus en train d'investir dans ces diètes, pourquoi est-ce qu'on voit que le poids de la population globale est en train d'augmenter? Fait que ceci démontre un peu que ce n'est pas nécessairement les choses les plus efficaces de faire des diètes, surtout les diètes très strictes, les diètes yo-yo, on les appelle. De point de vue d'une nutritionniste, souvent, ce que je propose aux gens, c'est pas nécessairement de décider d'un jour au lendemain de faire un changement drastique, puis d'essayer de s'imposer des nouvelles lois, beaucoup de nouvelles habitudes en même temps. C'est vraiment d'y aller un effort à la fois, d'y aller une étape à la fois. C'est d'augmenter nos légumes, fait que toujours viser pour la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents, un quart en viande. Une autre chose, c'est de prendre des collations à travers la journée, fait que vraiment essayer de ne pas sauter
des repas, de ne pas sauter des collations également. C'est sûr, des fois, on peut, selon notre horaire, les bouger un peu, mais le fait d'avoir des collations saines va faire en sorte que tu n'as pas vraiment faim arrivé au repas. Je regardais les statistiques, à peu près 70% de notre décision de qu'est-ce qu'on mange va venir de est-ce que ça goûte bon ou pas bon. Okay. C'est sûr que les choses qui sont malsaines ont souvent un bon goût. Les gens n'aiment pas manger quelque chose qui ne goûte pas grand-chose. Fait que ce qui se passe, c'est qu'ils vont favoriser les aliments les plus salés, ils vont favoriser les aliments les plus gras. Parce qu'en industrie alimentaire, ils ne vont pas commencer à mettre des épices, à mettre du goût à travers des bons gras. Ça coûte de l'argent, puis c'est plus dispendieux pour eux de développer un menu qui est plus sain. L'autre chose pourquoi ils vont aller vers les aliments malsains, c'est par convenience. On manque de temps, on manque d'argent. Souvent, c'est moins coûteux d'aller acheter un repas rapide. Merci beaucoup, Madame Rana Daoud. Maintenant qu'on en connaît plus sur la malnutrition, allons voir quoi de neuf à lire avec le livre « La santé, repensée » du Dr Gaëtan Brouillard. Vous avez certainement déjà attendu plusieurs heures dans une urgence, pleine à craquer, avant de rencontrer un intervenant de la santé, épuisé par la lourdeur du travail hospitalier. Le système de santé est en effet en train de se détériorer et cela ne plaît à personne, et surtout pas aux médecins, précisément au Dr Gaëtan Brouillard. Cet homme, qui possède un doctorat en médecine de l'Université de Montréal, pratiquait son métier depuis plus de 35 ans avant de se retirer de ce système qui refuse la communication entre patients et médecins. Imaginez-vous que c'est parce que le Dr Brouillard pratiquait une médecine appelée préventive et intégrative où il cherche à guérir son patient en l'écoutant et en lui offrant plus que de simples médicaments pour contrer les douleurs, que le système de santé l'a invité à quitter ses fonctions. Il consacrait trop de temps à ses patients. Afin de faire connaître cette pratique au grand public, il décide donc de publier son premier livre intitulé « La santé repensée » paru récemment aux éditions de l'Homme. Tout d'abord, une grande qualité de ce livre est qu'il s'adresse à tous, médecins ou pas, malade ou en santé. Le Dr Brouillard s'adresse à monsieur et madame tout le monde, non seulement parce que le style et le vocabulaire sont généralement simples et courts, mais bien parce que les 10 chapitres traitent de sujets qui affectent un peu tout le monde, tels que l'obésité, les maladies vasculaires, l'arthrite, certains cancers, le cholestérol, le diabète, etc. Il faut aussi mentionner que les images et les tableaux, quoique peu nombreux, aident encore à expliciter l'information. Bref, c'est un livre à la portée de tous, où il est aisé de trouver l'information dont on a besoin pour ses petits boobs. Ensuite, contrairement à la plupart des livres de santé disponibles en librairie, celui du Dr Brouillard fait figure d'exception par la présence de plusieurs moments tirés de sa vie professionnelle et privée. Ces extraits, où l'on constate l'usage du jeu, créent une atmosphère amicale qui rapproche davantage le lecteur du Dr Brouillard. Ce qui est fascinant, puisqu'il réussit à transporter les qualités de sa pratique clinique jusque dans son livre. Par exemple, il propose des solutions pour certaines maladies qui sont souvent basées sur des expériences véridiques. Ainsi, pour proposer au lecteur des remèdes contre la douleur chronique, il relate sa rencontre avec le directeur d'une grande compagnie pharmaceutique, durant laquelle le Dr Brouillard suggère des herbes et des probiotiques afin de procurer un soulagement rapide de la douleur. Bref, une grande humanité transpire de ce livre. Pour terminer, un dernier élément que j'ai trouvé intéressant est que même les esprits scientifiques y trouveront du plaisir, puisque l'auteur fait référence à plusieurs personnages importants du monde de la santé, appuie ses conseils de statistiques récentes et par-dessus tout, mentionne une foule d'expériences universitaires sérieuses qui apportent un éclairage neuf sur certains problèmes. Un exemple d'expérience évoquée dans le livre, que j'ai trouvé bien intéressante, et lorsque la docteure de psychologie à l'Université de Harvard et de Yale, Ellen Langer, met sur pied une expérience pour démontrer à quel point la psychologie a des répercussions directes sur le vieillissement et la santé. Elle prit donc un groupe de personnes âgées de 75 ans et les amena
dans un lieu où tout avait été transporté de façon identique à la réalité de 1959, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Autant les meubles que les journaux, les films, les magazines et les restaurants étaient ceux de 1959, même la nourriture. Les gens possédaient une photo d'eux alors qu'ils avaient 55 ans et ils ne parlaient entre eux que des événements de l'époque. Cette expérience a amené comme résultat, au bout de seulement une semaine, que les symptômes de vieillissement avaient commencé à s'inverser. Bref, j'ai finalement beaucoup apprécié ce livre, puisque j'avais l'impression de lire un journal de bord. L'auteur arrive à créer une belle harmonie entre une information pertinente, des tranches de vie touchantes et plusieurs expériences médicales tout à fait fascinantes. Je lui donnerai donc 5 étoiles. L'ennui n'a pas sa place dans cet ouvrage et vous n'avez qu'à lire les quelques premières pages pour vous sentir captivé. Si seulement le système de santé québécois pouvait écouter les conseils du Dr Brouillard, une visite chez le médecin deviendrait sans doute plus réjouissante. Après une mission plutôt chargée en concepts et idées sérieuses, allons nous divertir en découvrant un film français intitulé « Le voyage de 100 ans ». Sa cuisine est ancrée dans la tradition française. Elle est magnifique, cette béchamel. Mais à 100 pas de là, sa cuisine déborde de passion. Mon fils est le meilleur chef indien d'Europe. Avez-vous été charmé par Slumdog Millionaire ou encore les films produits par Bollywood qui mettent en valeur la culture et la cuisine indienne? Celui que j'ai beaucoup apprécié dernièrement est Le Voyage de 100 pas. Il est un merveilleux drame réalisé par Les Armstrong, basé sur le livre de Richard Moret, sorti en décembre 2014, et réunit ensemble la talentueuse actrice Hélène Mirren, qui joue le rôle de Madame Mallory, le jeune Manish Dayal, qui joue le personnage principal Hassan Kadam, et la comédienne québécoise Charlotte Lebon, qui interprète le rôle de Marguerite. Le Voyage de 100 pas est un film très touchant, émouvant et rempli d'émotions. On s'y accroche rapidement car dès le début vient une scène qui nous attrape et capte notre attention. On s'attache aux personnages et on ressent vite de la sympathie envers eux. Par exemple, lorsque la mère de Hassan, le personnage principal, reste prise dans la maison qui prend feu en Inde. Dès lors, on ressent la tristesse de la famille. Mais tout cela change lorsqu'ils se rendent en Europe refaire leur vie. C'est à la suite d'un accident d'auto que commence l'histoire. La famille s'installe dans un hôtel, en France, à Saint-Antonin. Étant une famille très forte en cuisine, le père décide d'acheter un restaurant, mais pas n'importe où. En face du grand et si bien réputé restaurant de Madame Mallory, le Saule Pleureur, fier propriétaire d'une étoile Michelin. Le père est déterminé à se faire remarquer. Bien que les enfants n'appuient pas l'idée folle de leur père et essaient sans vain de contrer, celui-ci n'est pas prêt à lâcher prise. Le père fait connaître son restaurant en distribuant des pamphlets aux habitants. Visiblement, Madame Mallory est contre cette idée et ne cache surtout pas son point de vue. Elle tente à plusieurs reprises de les empêcher de travailler. Par exemple, en achetant tous les produits nécessaires à la réalisation de leur repas dans le marché le plus près. Bref, la guerre y est entre les deux restaurants. C'est très facile d'éprouver de la haine pour cette actrice qui joue si bien son rôle. Tout change lorsqu'un soir, le restaurant de la famille indienne prend feu et leur mur est vandalisé. Voici mon moment favori du film. Notre point de vue change radicalement lorsque Madame Mallory découvre que son chef principal est celui qui a mis feu et vandalisé la propriété de ses adversaires d'en face. Elle utilise l'hymne national de la France pour faire comprendre au chef cuisinier qu'être français ne consistait pas à brûler et à détruire les terres d'autrui, mais bien agir avec amour, fraternité et égalité. C'est tout de même étrange, car elle-même usait de stratagèmes malhonnêtes envers ses compétiteurs. Ce grand cuisinier dut alors quitter son poste, et à ma grande surprise, Madame Mallory est sortie en temps de pluie nettoyer les murs vandalisés de ses voisins. Un immense respect et un peu d'amitié s'installent entre les voisins qui ont commencé, petit à petit, à s'entraider pour enfin devenir de grands complices. Tout se passe dans le village de Saint-Antonin, une région de la France qu'on voit peu. Et je trouve que c'est bien choisi,
ça nous permet de découvrir cette belle région du sud de la France, et ce, grâce au merveilleux travail de la photographie de Linus Sandgren. À la fin de ce film, on n'a qu'une seule envie, soit se lever et faire de la cuisine, soit se diriger vers le restaurant le plus près. On explore de nouveaux mets et aliments indiens et français qui ouvrent l'appétit. Je trouve que c'est en mélangeant les mets français et indiens ensemble qu'on démontre une belle ouverture d'esprit aux goûts, aux cultures et aux différences d'ailleurs. Un très beau message se dégage du film. On comprend qu'il faut combattre le racisme, sortir de sa zone de confort et notamment être optimiste dans la vie de tous les jours. Un autre beau message que véhicule ce film est que la nourriture représente le pays et sa culture. Nier celle-ci serait nier son pays, sa culture. Bref, se nier soi-même. La culture se reflète dans la nourriture lorsque Hassan déguste un aliment de son pays natal et de beaux souvenirs d'enfance ont surgi à sa mémoire. Je donnerais 5 étoiles à ce très bon film pour ses bons choix d'acteurs, son beau message et les costumes qui représentent bien chaque pays et chaque coutume. On remarque d'ailleurs que plus Madame Mallory se rapproche de la famille Kadam, plus ses vêtements changent pour devenir moins femme sérieuse et méchante. C'est maintenant à vous de l'écouter et de me dire ce que vous en pensez. Quelle belle journée enrichissante et combien de belles découvertes intéressantes! J'espère que cela vous a convaincu d'éviter la restauration rapide et d'opter pour un régime qui sera bénéfique pour votre bien-être. L'important est de rester en bonne santé. Maintenant que vous avez fait le plein pour cette semaine, on se revoit dimanche prochain à 9h pour un autre plein de santé concentré sur l'exercice physique. Entre-temps, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur Facebook ou sur notre page web officielle, lepleinsanté.com. À votre santé!